précédemment dans Ultin Town. C'était juste une blague, Anna. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Alors, on peut littéralement dire que tout part en couille. Qui avec le monde des esprits, vous devez vous libérer... inhibitions et vous offrez entièrement à la volonté des autres, sublimant chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. On peut vraiment dire que tu pars en couille, c'est ce que je dis. Sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayons. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Sérieuse, il y a quelqu'un. Ok. Esprit, es-tu là? Te présenteras-tu à nous si tu es là? Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. Ça tue sa mère. Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Clarifier, interroger. Comment pouvons-nous t'aider? Ça bouge encore. Oh. Qu'est-ce que ça épelle? Attends... Ça bouge vite. Attends... Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention. Je pense que... nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. Interroger? Comment ça? Interroger? Interroger, c'est la base. Je peux pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur? La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. Bess? À qui parlons-nous? Bess? C'est toi? C'est n'importe quoi. Josh, tu... Ça me parle à Bess. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment de Bess, on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Oh. Vérité. Ok. Laisse-moi réfléchir. Interroger. Excusez. Bess, on veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu peux nous raconter? H. A. N. N. Ça épelle Anna. Attends, ça continue. T. U. E. E. Oh, c'est pas vrai. Tu es... Les gars, mais de quoi ils parlent, là? Je sais pas si je peux continuer. Il le faut. Garde ton calme. Je pense que ça veut dire que... quelqu'un a tué Anna. J'en sais rien. Bon, alors, pose-lui d'autres questions. Ok. Qui a tué Anna? Qui c'était?
Il y a peut-être quelque chose dans la Bible. P-R-E-U. Preuve. Il y a une preuve. Dans la bibliothèque. Oh merde. Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Qu'est charmé. Et on retourne avec Spike. Jess. A perdu Jess. Je sais pas comment il a fait, mais il l'a perdu. Allez, c'est parti. Là-bas, il y a une espèce de tracteur des neiges. J'ai passé. C'est vraiment pas drôle. Jess ? À l'aise, il y a rien de drôle. Jess, t'es là-dedans ? Ça part en steak. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que je t'aurai trouvé. Oh la pute ! Oh putain. Bordel ! Non ! Moi, c'était trop drôle. Mais non. Attends. Faut que tu vois ça. Je veux rien voir de... Non, Mike. Non. Quoi? Non, la salope. Regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon. Ouais. Je t'ai fait peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Dis quoi? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. Grognon, drôle. On peut faire le bâtard, wesh. Vas-y, sois drôle. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais, va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein. Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Ah bon? Il y a un truc qui nous suit pendant ce temps-là, c'est génial. J'ai tellement hâte de pas savoir ce que c'est. Vas-y, imaginez le coup. Excusez-moi. Je me permets. Si vous préférez le dire, c'est... Je me suis inscrit dans une asso d'Airsoft. Et je comptais vous proposer des vidéos sur de l'Airsoft. Et le problème, quoi, c'est qu'on n'est pas sûr de garder notre terrain pour l'instant. Donc, non. On va peut-être le perdre. Oui. Et y a quelqu'un? Normalement, il devait arriver des vidéos sur de l'Airsoft. Des battle royale, des deathmatch, des alertes à la bombe, et tout ça dans des terrains où il y a des bunkers, où il y a un peu de tout, que sa mère. Calme. Tant de bugger sur ce que je vous disais, mais bon, dans le délire, oui. Donc pour l'instant, on attend, et pour la suite, on verra bien. J'ai déjà la réplique qui est derrière moi. Vous la voyez pas, mais elle est là. C'est une M4. J'ai claqué une lampe dessus et un. Faire avec ça. Et je comptais faire un. Je comptais faire toutes les vidéos. Sur l'air, sur Saturne, ça avance. Mais sinon, dans l'ensemble, ça passe bien.
J'ai hâte d'arriver à la cabane quand même, parce que ça fait un peu de temps. C'est quoi ça? Ok, on va trouver un totem. Cette fois-ci, un totem 2. Totem jaune. Qui est totem de conseil? Ok, on a vu des personnes dans une crique en train de se baigner. Là, le délire, quoi. Trop stabilisant de voir la caméra comme ça avait été. C'est déstabilisant de ouf. Excusez-moi, il ne parle pas trop, parce que je suis content de mourir. Je peux pas tourner la caméra en plus. C'est lui qui décide. Ok, je me souvenais pas que c'était aussi long ça. Bah, je me souvenais pas en même temps, j'avais jamais fait le jeu, mais. J'ai déjà vu 2-3 vidéos et. J'ai jamais vu ça. Ok. Là-bas, il y a un pont en bois. C'est pas le pont en bois d'où on vient, par hasard. Parce que je vous jure que là, j'aurais pas l'air con. Ah si, regardez le pas. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Allez, on fait demi-tour. Normal. Mais vérité, on n'a rien vu, hein. Attendez, c'est pas où qu'on doit aller, là. Y a pas une carte ou quoi? Je sais pas. Le mec, il est paumé, quoi. Non, mais... Pff, fané, quoi. C'est pour le... Et vrai, ça a l'air, c'est la première fois que je le retrouve paumé, les amis. Bah écoutez, on va faire une coupure et je vous retrouve dès que j'ai trouvé la suite. Parce que là, je suis paumé, vrai. Ah, c'est bon, les amis, j'ai trouvé le chemin. Et ben, franchement, c'est vraiment comme j'ai mis au moins 3 quarts d'heure. Facile. Quoi? Vrai, j'ai mis au moins un bon 5 minutes pour trouver le chemin. Ouais. Choqué. Mais ouais. Putain de... What? C'est quoi ça? Peu de maison, c'est plus de cabane ça, c'est un squat, je sais pas. Tout qui est explosé quoi. C'est quoi ça? Non, c'est une lampe. Alors, du coup, pour la peine les amis, je vais effectuer un épisode de 30 minutes. Moi, les 5 minutes de bug, ça fera un bel épisode. Du prochain let's play que je vais vous faire, après Call of Duty 3, on marche à Paris. D'accord, d'abord comme toi garçon. C'était quoi? C'était un cerf. C'est quoi ça? Je suis pas sûr de vouloir savoir. Non. C'est quoi ça? Merde. C'est horrible. Qu'il va pas s'en tirer. Je vais le faire. Calme-le. Pauvre gadjou. Ok, mon vieux. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Pauvre bête. Je vais faire ça vite et bien, d'accord? Oh, non, 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 non. Ok. Ok. Oh, bon sang. Comment je... Je peux pas regarder ça. Ok. 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 Oh 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 mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel, non, c'est venu. Ah, ah. Oh, dégueulasse. Oh, oh, oh putain, c'était quoi ce truc? J'en sais rien. Il y a un pont là-bas. Regarde, Mike. Ça... Amène-toi vite. Un ours. Putain, je dois appuyer sur des touches. Je veux... Putain. Ils vont pas se sortir. Je vais le louper. J'ai fait la louper.
Ah, vas-y, montre. Allez, t'as 14, c'est sorti. Oh, c'était quoi ce truc? Ok. Ah non, il y a des Jessica, wesh. Ils sont que dedans. Pas de bâtard comme ça, wesh. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Et ferme. On peut pas passer loin. Non. Quoi? Je comprenais la situation. Tout le temps. Non, sérieusement. À fond, 110%. Oh. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais... tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Lol. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir. Ouais, bien sûr, pardon. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Ah non, ça démonte la porte quand il veut. Qu'est-ce qu'il veut avec la porte, mon gars? La casse en deux. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok... une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Tina, arrête! Mike, vire de là. Va te coucher. Feu et la lueur des flammes. Ouais. Mike. Excusez-moi. Alors. On va aller récupérer la petite torche, là. La petite lampe, qu'on va pouvoir allumer. Voilà, pour avoir un peu de lumière. C'est magnifique, non? Nous allons aussi ouvrir le couvre-feu pour prendre du bois et une tête dedans. Ok. Bien, le bois est prêt, non plus qu'une allumette. On va aller chercher ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, une petite boîte d'allumettes. Ouh, hop, ça. C'est intéressant. Super. Parfait pour allumer la flamme. Oh. Hey, ok, d'accord. Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est rien. C'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un court juge, je pense. Oui, d'ailleurs, avec le circuit dans le délire. Ok, ça c'est fait, photo de joueuse de tennis. Je sais pas trop ce que ça branle là. Ah, j'ai trouvé un truc, c'est quoi ça? Édité par Tom and... Tom Henton. Ah, bien vu. Ils étaient inventés. Waouh. Je suis pas vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de... ça vous plaît. Et bien sûr, tu vas forcément trouver un truc d'allumette dans les chiottes. Ah, t'as raison. Mais j'ai sérieux, lui. Mec, il a peur d'un rideau de bain. Allez. Oh non, il a peur d'un rideau de bain, quoi. Pauvre garçon. Je te plains. Il n'y a rien par là. Cloqué là, contre la cuisine. Il y a une cuisine, non? Que tu aimes ploter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Hein? Et vite. Et je trouve où les allumettes, connasse. Bordel.
Mike. Sérieusement, quoi. Oh, merde. Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non. Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah. T'as le typhus. Je peux pas perdre mon téléphone. Si, mes tu peux perdre ton téléphone. J'en suis déjà à mon quatrième. Petite joueuse. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on ne devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. Allez, c'est parti, les amis. On va voir ce qu'on peut faire avec cette petite boîte d'allumettes. Je sais même pas comment il a fait pour la trouver. Salut, salut. Ça fait. Qui c'est qui va s'embraser? C'est bientôt. T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai? On t'a trouvé une allumette. Pas le droit à l'erreur. L'homme 1, le feu 0. Très bien joué, bravo. J'ai. Très bien, ma lady. Et ensuite. C'est quoi le truc qui nous vole? Mise à jour effet papier. C'est parti, on va voir en sous-vêtements normal. Vas-y, on va aller voir ce que c'est. Elle devrait venir avec. Hein, quand même. Ok, la fenêtre qui est cassée, quoi. Ok, c'est le téléphone de la miss qui a appelé tout à l'heure. Ton téléphone. Il était livré. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain! Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille, et juste quand on commençait à... Oh. 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 C'est cool. Ouais, connard! Oui, vous! Je sais que vous êtes là! Mais sérieuse, elle. Parce que Michael et moi, on va baiser. Et ouais, on va s'envoyer en l'air et ça va être chaud. Alors profitez-en, parce que je sais que nous, on va bien en profiter. Qui? Oh, mais c'est pas vrai. C'est passé quoi là? What? Ou un mal de crâne? La meuf, elle est passée par la fenêtre, quoi. Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Par ça. Vas-y, Chris, je te suis. Non, mais chambé, quoi. C'est fait attirer par la fenêtre. C'est fait gober, quoi. Vérité, quoi. J'avais l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup, mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs? C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être... Ouvre la porte, Tina, s'il te plaît. Putain. Il s'est encore fermé. Vas-y, Chris, on te suit.
attendez quelques instants, les amis. Merde. Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde. Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? Un bouton. C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Non, mais il y a des choses bizarres, des fois. Oh, la porte s'ouvre. Ça devient bizarre, là. Et dans un film, là, ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a un passage secret dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, est-ce qu'on jette un œil? Ouais, après toi. Un bâtard. Toi, t'y vas. Super. J'aime d'abord, mon gars. Surtout dans un truc qui font peur. C'est pas toi. T'es déjà une caméra de surveillance, ce truc pas du tout normal. Et maintenant une photo d'un abaisse. Ok. Je vais les pendre. Quand les pourceaux arrachés, leur peau blanche et douce. 16 putains d'années. 16 ans à attendre les jolis petits Anna et Bess. Oh, dégueulasse! Sur lui. La vache! Honnête, direct. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper, mais. Regarde ça! Quoi? Chris, c'est quoi ça? Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite! Allez, c'est parti, on retourne voir John. Et Josh? C'est du bêtise. Oh la la. Il est par où? Pourquoi il regarde en haut? Qui fait des trucs chelous avec cette torche, lui, normal. C'était quoi? Très bonne question. Un souterrain, Hogan. Ok, un indice. Oh putain, il a donné! Ah mon gars, il a donné normal quoi sur le code. Frère. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Bess? Si c'est. Donc. Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi? Il y avait un avis de recherche comme dans les westerns, tu vois. Et alors? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous? Bah, il y avait ce type dont quoi, je t'ai parlé. Attends, quel type? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Oh, Josh! Josh! Ok, d'accord. Ashley, je vais. Non, c'est pas. Ash? Ash! Ok, c'est quoi ça? Wow. Un tueur en série. Bah écoutez, moi je vois que ça. Il les a assommés, maintenant il va jouer avec ses victimes. Oh, chambé quoi. Tu nous as pas manqué, toi. Vérité. Je vais maintenant vous montrer
des photos de gens que vous connaissez. Je vais voir ça. Appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. D'accord. Josh ou Sam? Moi, je dirais Sam. Josh est chelou. Matt ou Amy? Matt est plus cool. Je peux pas la saquer. Chris ou Ash? Ash, Chris, il est à Google. Ah, les deux sont bien en fait. Jess quand même, vu qu'on n'a pas le choix. Mais les deux sont bien quand même. Oh. Ah, les deux qu'on n'aime pas. Quel on n'aime pas le plus que. Il y a quand même. Je l'aime pas, mais je l'aime en même temps, tu vois. Bah, par rapport à l'autre. Mike et Chris. Mike. Plus stylé. Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Ah non, je me suis trompé, c'est l'autre. Vous vous dites qu'il n'a que ce qu'il mérite. Vous pensez que vos sentiments justifient l'épouvantable traumatisme qu'il va bientôt subir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Chris. Ah, c'est fini. Revenez vite. Nous reparlerons de ça. En attendant, vous pouvez déjà réfléchir à cette question de votre côté. Tout ce qu'on aimait pas, il nous l'a mis cette fois-ci dans la pièce. Ok, c'est quoi ce type? Ouah, c'est chelou, mon gars. N'empêche, pour l'instant, je trouve que c'est un très très bon jeu. Et je vous conseille. On se retrouve pour nous deux, pour nous, la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Ultimate Dawn, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde!